à Dieu. Praise the Lord. Le Seigneur est bon. The Lord is good. Le Seigneur est extrêmement bon. The Lord is extremely good. Et il s'est levé pour nous bénir. And he rose up to bless us. Avant d'entrer dans mon message, before I get into my message, je voudrais inviter notre bien-aimé frère Jojo. I would like to invite our brother Jojo, pour venir faire quelques annonces. To come and give some announcement. Relatif à ce que nous avons appelé l'atelier, la priorité de l'évangile. That is relevant to that which we called the workshop, the priority of the gospel. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Que le Seigneur te bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. L'atelier, la priorité, c'est l'évangile. The workshop that is entitled The Priority is the Gospel. C'est l'un des 11 ateliers qui ont été créés. Is one of the 11 workshops that have been created. À l'issue de la concertation avec notre leader, le pasteur Theodore, en janvier de cette année. At the consultation of our leader, Brother Theodore, in January this year. Il a mis sur pied 11 ateliers. He has set up 11 workshops pour nous aider à accomplir notre but quinquennal. In order to help us accomplish our goal. 5 years goal. Our 5 years goal. Nous devons achever la phase 3 de notre ministère. We should complete the phase 3 of our ministry d'ici 2029. From now to 2029. Et dans les 5 prochaines années devant nous sont critiques. So the 5 years ahead of us are critical. Et pour atteindre nos objectifs en effectif, so for us to reach our goal in terms of numbers, l'atelier, l'évangile, c'est la priorité à cette responsabilité. The workshop, the gospel is the priority, has this responsibility. C'est d'ailleurs ce qui justifie la tenue de cette école d'évangélisation ici à Abidjan en ce moment. This is even the reason of this workshop here in Abidjan at this moment. Nous prenons cette opportunité pour saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne et sur le petit écran. We would like to seize the opportunity to greet all those who are following us online or before the small screen. Nous avons eu beaucoup de bons retours de leur suivi. We got a lot of feedback of their follow, the fact that they are following the program. Et nous sommes très heureux d'être avec vous. And we are very happy to be with you. Et d'avancer ensemble pendant ce moment critique. And to go ahead, to move forward together during this critical moment. D'avoir choisi de nous suivre en ligne. To have chosen to follow us online. Ou sur ton écran ou à la radio. Or on your screen or on your radio. Crois-moi, c'est avoir eu l'intelligence des temps. This, you believe me, this is the fact that you have got the intelligence of the times. Nous sommes au dernier jour de notre école ici. Today is the last day of our school here. Et avant de nous séparer, before we part, il est critique pour nous d'avoir le travail à faire, le travail pratique à faire. It is very critical for us to have the critical work, the practical work to be done. C'est pour cela que le pasteur Jean-François Edogé, that's why Pastor Jean-François Edogé, qui dirige l'atelier, who is leading the workshop, veut porter à votre connaissance ce qui suit. We'd like to let us know
the following things. Bien-aimé missionnaire dans les nations. Beloved missionaries in the nations. Nous sommes à un tournant décisif. We are at a very decisive turn of our ministry. Où la priorité de l'évangile est la clé pour l'atteinte de nos objectifs. In which the priority of the gospel is the key for us to attain our goal. Et l'accomplissement de notre but quinquennal en termes d'effectifs. And the fulfillment of our goal, of our 5 years goal in terms of numbers. Seul gage pour bien clôturer la phase 3 de notre ministère. Is the only thing that will come and crown the phase 3 of our ministry. De ce fait, from this standpoint, nous vous prions vivement d'établir des équipes d'évangélisation. We would like to request you to set up teams of evangelization. Si cela n'existe pas encore dans votre nation, if this does not exist in your nation yet, votre région, or in your region, votre ville, or your city, veuillez aussi désigner le responsable de l'équipe d'évangélisation. You must also appoint the responsible of the team of evangelization. Et nous transmettre son nom, son numéro de téléphone WhatsApp. And send us his name and his phone number. His WhatsApp phone number. Son adresse mail. His email. À ce contact WhatsApp. And of that WhatsApp contact. Donc, transmettez-nous ces informations à ce contact-ci. So, send those information to us on the following contact. Plus 237. Plus 237. Plus 237. Plus 237. 699. 699 76 04 04 04 18 18. Cette démarche vise à coordonner nos efforts. This strategy is intended to coordinate our strengths, à synchroniser le travail fait sur le terrain, in order to put together the work that is done on the field, à nous galvaniser, to strengthen us, et suivre collectivement le travail des équipes d'évangélisation, and have a collective follow-up of the work of the evangelistic teams. Les premières actions que nous voulons mener sont les suivantes. The first actions that we'd like to undertake are the following ones. Hey! Number one. Non, j'ai dit hey! Sorry, hey! Ah, vous étiez là le premier jour. Certains n'étaient pas là. Some were not here on the first day. Donc, ils n'ont pas ce code-là. So they don't have that code. Hey! Hey! Nous invitons tous les évangélistes et implanteurs d'église. We invite all the evangelists and church planters à se tenir fermement avec notre Moïse, le frère Théodore Randossé, to stand with our minister, brother Théodore Randossé, dès le 14 octobre, début du jeûne du ministère, from the 14th of October, the beginning of the fasting of the ministry, pendant 10 jours, all along 10 days, en faisant entre autres, in order to do the following things, le dépouillement total de toute idole dans leur cœur, the total putting off of any idol from their heart, et en réclamant au 10e jour, and by claiming on the 10th day, la plénitude du Saint-Esprit, the fullness of the Holy Spirit, qui est d'après la parole prophétique reçue par le frère Zach, which is according to the prophetic word received by brother Zach, à Londres le 31 mai 2008, on the 31st of May 2008, in London, le seul gage pour gagner les âmes qui demeurent, the only
The only pledge to win the souls that abide. Dans cette prophétie là, in that prophecy, Dieu nous dit, God tells us, que pour aller rapidement, that for us to go rapidly, grandir rapidement en effectif, grow rapidly in terms of number, connaître les expansions, les extensions et les explosions, in order to experience extension, expansion and explosions, il faut que nous fassions tout pour être remplis du Saint-Esprit. We must do all in order to be filled with the Holy Spirit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, because the one who is filled with the Holy Spirit, gagne des personnes qui demeurent dans l'église, wins people that abide in the church. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Deuxièmement, secondly, nous encourageons chaque évangéliste et implanteur d'église, we encourage each evangelist and the church planter, pendant les 30 derniers jours du jeûne, all along the 30 last days of the fasting, à se tenir avec l'opération Moïse sur la montagne, Josué dans la vallée, to stand with the operation Moses on the mountain and Joshua in the valley, en descendant dans la vallée massivement, by going down into the valley massively, pour prêcher intensivement l'évangile, to intensively preach the gospel, par tous les moyens possibles, by all means necessary, en se rassurant que chaque semaine, by ensuring that each week, il y a au moins une personne radicalement convertie, baptisée et ajoutée dans l'église. That there should have at least one person baptized and added to the church. Radically converted and baptized and added to the church. Je reprends. I take it again. Pendant les 30 prochains jours, all along the 30 next days, chaque évangéliste doit descendre dans la vallée. Each evangelist should go down into the chaque valley. Chaque planteur d'église doit descendre dans la vallée. Each church planter must go down into the valley. Dans un mouvement d'évangélisation intensif, in an intensive movement of evangelization, avec un cri sur son cœur à Dieu, with a cry on his heart to God, qu'au moins une des personnes qui aura confessé Christ, that at least one of the person who would have confessed Christ, chaque semaine, every week, soit baptisé, be baptized, et intégré dans l'église, and integrated into the church. Ça veut dire qu'à la fin du mois, chaque évangéliste devrait avoir combien? That means at the end of the month, each evangelist should have at least how many? 4 personnes converties, baptisées et ajoutées dans l'église. 4 people converted, baptized and added to the church. Alléluia. Praise the Lord. Dis à ton voisin, il ne s'agit pas de 4 convertis. Tell your neighbor, it's not about 4 converted. Tu pourrais avoir 100 convertis. You could have 100 converted. Mais dans cette opération, but in this operation, que 4 d'entre eux soient assis dans l'église à la fin de chaque mois. Let 4 of them be seated in the church at the end of each month. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Pour faciliter le suivi, in order to make it easy, nous avons mis en place une application simple à utiliser. We have set up an application which is very easy to use. Elle doit être remplie par chaque évangéliste ou implanteur d'église. It must be filled by each evangelist and or church planter. Si ce n'est pas chaque jour, if it is not every day, obligatoirement chaque semaine, compulsory, it should be compulsory every week. Nous allons vous donner l'application d'ici la fin de la communication du pasteur Jean-François. From now
to the end of the communication of Pastor Jean-François, we'll be giving you the application. C'est très simple à utiliser. It's very easy to use. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Ne manquons pas cette grosse opportunité. Let us not miss that great opportunity. Ensemble, together, nous avancerons plus vite vers la victoire. We will go more rapidly toward victory. Demeurez richement béni. Remain blessed, richly blessed. Pour l'atelier, l'évangile, c'est la priorité. For the workshop, the gospel is the priority. C'était un communiqué du pasteur Jean-François Edongue. This was an announcement from Pastor Jean-François Edongue. Je voudrais que nous prions. I would like us to pray. Je vais te supplier de te mettre debout. I will beg you to stand up. Si tu fais partie de ces évangélistes. If you are part of those evangelists. Ou de ces implanteurs d'église. Of those church planters. Mets-toi debout, lève la main droite. Stand up and raise your right hand. Et supplie le Seigneur de venir avec toi. And beg the Lord to come with you. Pour que pendant les 10 premiers jours de ce jeûne. So that during the 10 days of this fasting. Tu confesses tout péché. You confess every sin. Et que tu déracines toute idole dans ton cœur. And that you dig up, you uproot every idol from your heart. Tu peux utiliser la liste des idoles. You can use the list of idols. Tu peux utiliser le message de Bertois, les 13 éléments négatifs à déraciner. The message from Bertois. Et qu'au 10e jour, and that at the 10th day, que l'Esprit de Dieu descende sur toi, that the Spirit of God come down upon you, avec puissance, with power, avec autorité, with authority. Oh, que la puissance du témoignage, For the power of testimony, te remplisse à débordement. Let the power of testimony fill you, overflow you, pour produire des convertis qui demeurent, to produce converts that abide. Prions ensemble. Let us pray together. Rekotoba riba raba 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 raba. Amen. Deuxième chose. Second thing. Tu vas prier. You will pray. Nous avons brisé les liens. We have broken the ties. De la honte. Of shame. De la peur. Of fear. Du complexe. Of complex. Yesterday. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Tu vas prier que le Seigneur vienne avec toi. You pray that the Lord comes with you. Pour que pendant les 30 jours, les 30 derniers jours du jeûne, so that during the 30 last days of the fasting, que tu prêches l'évangile comme un mourant des mourants, that you preach the gospel as somebody dying, to dying people, to those who are dying, to those who are dying. Alléluia. Praise que the tu Lord. Prêches l'évangile comme tu n'as jamais prêché par le passé. That you preach the gospel as you have never done before. Comme si c'était la dernière fois. As if it was the last time. De telle sorte que si le Père te rappelait. So that even if the Father was to call you home. Oh, qu'il y a une colonie d'anges qui partent de la terre jusqu'au ciel, chantant et acclamant bon et fidèle serviteur. That there be a colony of angels that will go from down from earth up to heaven singing good and a faithful servant. Pour transférer ton âme de ce corps mortel pour l'immortalité. To transfer your soul from that mortal body to immortality. Personne ne dit amen. Nobody says amen. Alléluia. Praise the Lord. Nous levons nos mains et prions. Let us raise our hand and pray. Et que pendant ces 30 jours. And that during those 30 days. Chaque semaine. Every week, tu es ton converti, baptisé, et dans l'église. You bring the convert in the church.
Que chaque semaine, that every week, tu aies au moins une personne convertie. You get at least one person who is converted. Baptisée. Baptized. Et intégrée dans l'église. And added to the church. Prions ensemble. Let us pray together. Prions, prions, prions. Let us pray and pray and pray. Oui, prie encore. Yeah, pray, pray again. Saisis-toi de Dieu. Lay hold of God. Pour avoir ce converti. To have that convert. Chaque semaine. Every week. Intégré dans l'église. And added to the church. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Comme un vaillant combattant. Like a mighty warrior, comme un commandant sur le champ de bataille, as a warrior on the battlefield, dis avec moi, say with me, nous ne trahirons pas le grand roi, we shall not betray the great king, l'agneau immolé, the slain lamb, son sang n'a-t-il pas coulé pour moi, nous devons le couronner, oui nous devons. Amen. Amen. Saint notre Père et notre Dieu. Rabaka kopaka la baka jere basala baka. Rebaka sala baka jor ya baka sala baka joro baka. Rabaka jere basala baka jor baka la baka joro baka. Nous nous saisissons de ce programme. Nous nous saisissons de ce programme. Nous nous saisissons de ce programme. Et nous l'appliquons à notre vie, Seigneur. Que les 10 premiers jours du jeûne soient des temps de repentance radicale où les idoles sont déracinées du cœur, jetées, où le Saint-Esprit descend sur nous comme il est descendu sur les apôtres au premier jour. Ô éternel notre Père, et qu'à partir de là, les 30 derniers jours soient des jours de gagnement d'âme, de façon massive, des âmes qui vont demeurer dans l'église jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie, oh Dieu, que, Seigneur, ce programme se saisisse de tous tes enfants, non seulement dans la nation, mais dans notre œuvre à travers le monde entier, afin que tous, comme un seul homme, nous puissions bouger, bouger, et que le but soit rapidement atteint. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, merci pour ce programme révolutionnaire. Merci pour les 10 premiers jours du jeûne qui commence lundi 14 octobre, qui sont réservés à travailler sur les idoles, à les renverser, et qu'à la fin des 10 jours, des 10 premiers jours, que nous soyons dans le flot du Saint-Esprit, de la puissance d'esprit pour aller gagner des âmes. Je prie afin que toute la nation ivoirienne soit embrasée, enrôlée, les anciens enrôlés, les dirigeants assemblés enrôlés, les missionnaires enrôlés, engagés dans la bataille du renversement des idoles, afin d'être remplis, 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 remplis. Oh Seigneur, je prie que les 30 jours qui resteront, que ce soit le travail pratique, que ce soit la plénitude, le signe que tu nous as rempli cet esprit, que chaque frère, chaque évangéliste, chaque portateur, garde dans l'église au moins 4 frères baptisés et qui engagés avec nous. Oh, je te supplie, bénis ce travail, que tous ceux qui croyaient qu'ils ne pouvaient pas le faire, ravivent, envoient la vitalité, ravivent les âmes, ravivent les dons, tous les dons qui étaient cachés, soient restaurés, soient restaurés, soient déterrés,
Oh, c'est une prière que tu fasses. S'il te plaît, et viens avec nous au nom de Christ. Amen. Amen. Père, nous continuons à prier au nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, ce cri parvienne à toutes les nations dans lesquelles nous sommes représentés. Seigneur notre Dieu, nous prions que les équipes d'évangélisation soient formées dans toutes nos églises. Qu'il y ait ces équipes d'évangélistes et d'implanteurs d'églises. Et que, Seigneur, le mouvement pour la conquête soit effectivement engrangé selon le programme ici communiqué. Nous prions, nous te supplions, va devant de nous et agis pour qu'il en soit ainsi, Seigneur. Agis pour qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et que, Seigneur notre Dieu, au dixième jour, ce soit une Pentecôte inhabituelle. Une Pentecôte inhabituelle qui viendra capaciter, Seigneur notre Dieu, pour des effectifs en plus grand nombre. Et que comme Pierre, Seigneur, qui avait gagné après la Pentecôte 3000 et le nombre des disciples a augmenté de 3000 âmes, que ce soit le témoignage de chacun d'entre nous qui descendra dans la vallée. Oh, éternel notre Dieu, nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Le dernier jour, the last day, tu as bien fait de venir. You have done it well to come. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres sollicitations. Il y a beaucoup d'autres sollicitations. There are many other requirements. Mais tu as fait le choix d'être ici. But you have chosen to be here. Tu es béni. You are blessed. Hier, yesterday, nous avons achevé sur une note. We completed on a note. Nous parlons des obstacles à l'évangile, à l'évangélisation. We are talking about the obstacles to the evangelization. Ces choses qui se tiennent comme des montagnes. These things that stand as mountains. L'orgueil. Pride. Se manifestant par la honte. Being manifested by shame. Nous apôtres se croient obligés de dire, je n'ai pas honte de l'évangile. So each one should be compelled to say, I'm not ashamed of the gospel. Paul se croit obligé de dire. Apostle Paul found himself compelled to say, je n'ai pas honte de l'évangile. I'm not ashamed of the gospel. Parce que c'est quelque chose qui est là. Because it's something that is there. Un esprit qui court. A spirit that is running. Parmi les enfants de Dieu. Among the children of God. Paralysant. Paralyzing. Empêchant. And hindering les uns et les autres de proclamer le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. The ones and the others to proclaim the glorious gospel of our Lord Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Dis avec moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Say with me, I'm not ashamed of the gospel. Et je n'aurai plus jamais honte de l'évangile. And I will no longer be ashamed of the gospel. Votre façon même de répéter me dit qu'il y a encore des chaînes. Your way of repeating tells me that there are still chains. C'est-à-dire que même pour dire que je n'ai pas honte de l'évangile, la voix ne sort pas. Even to say that I'm not ashamed of the gospel, the voice does not come out. Je crois que je dois crier au secours. I think I should call for help. Je vais supplier le pasteur Boniface de venir briser les chaînes de la honte. I will beg Pastor Boniface to come and break the chains of shame. Il est oint pour briser les chaînes. He is anointed to break chains. Mettons-nous debout. Let us stand up. Pour être délivré, for you to be delivered, tu dis la vérité à Dieu. You tell the truth to God. Tu lui dis, you tell him, oh Dieu, oh God, je suis misérable. I'm miserable. Je suis dans les chaînes. I am in chains. Si tu penses que tu n'as pas de problème, if you think you have no problem, il n'y aura rien. There will be nothing.
Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse. God says, call upon me on the day of distress. Je te délivrerai, tu me glorifieras. I will deliver you and you will glorify me. Le Saint-Esprit te révèle. The Holy Spirit reveals you que tu es dans les chaînes. That you are in chains. C'est une prophétie. It's a prophecy. Ne discute pas. Do not argue. Dis, oh Père. Say, oh Father. Je suis misérable. I'm miserable. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Il m'est révélé. It has been revealed to me. Que je suis misérable. That I am miserable. Je suis dans les chaînes de la honte. I am in the chains of shame. Les chaînes de l'orgueil. The chains of pride. Les chaînes de la passivité. The chains of passivity. Les chaînes. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous les brisons. We break them. Dis, je déclare. I declare. Que par les maîtrises de Christ. By the stripes of Jesus. Par sa mort à la croix. By his death on the cross. Je suis libre. I am free. Libre. Free. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, je brise les chaînes. I break the chains. Je me libère. I set myself free. Pour être consacré à l'Évangile. To be consecrated to the gospel. Et à toutes les exigences de l'Évangile. And to all the requirements of the je gospel. Je déclare. I declare. Que je suis désormais libre. That, libre. That I am libre. Free. Libre. I'm free from libre, now on. Free. Libre. Free. Dis Satan. Toi et toute l'armée. Satan, you and all your army. Camper pour s'assurer que je ne bouge pas. Here to make sure that I will not move. Que je ne parle pas. That I don't speak. Que j'ai honte. That I am I be ashamed. And be afraid. Je vous juge. I judge you. Et je vous jette de ma vie. And I will cast you out of partez. My life. Go. Partez. Go. Partez. Go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Prie en langue. Pray in tongues. Dis Seigneur, c'est Lord, parle-moi. Speak to me. Parle-moi. Speak to me. Je suis prêt. I'm ready. Je suis libéré. I'm free. Je suis libre. I'm free. Amen. Amen. We applaudissons pour le Seigneur. Clap for the Lord. Amen. Amen. Si je peux avoir un peu de volume. Non, non, on n'a pas fini. Avant de t'asseoir, proclame-le maintenant avec vie. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Before that, I'm not ashamed of the gospel. Encore. Again. Et je n'aurai jamais plus honte de l'Évangile. And I will never have, be ashamed of the gospel. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Let's clap for the Lord. Asseyons-nous. Be seated, please. Dans le livre des Actes. In the book of Acts. D'abord, lisons dans Marc. Let us read in Mark. Au chapitre 16. Chapter 16. Le verset 20. Marc. D'abord, Marc. First of all, Mark. Marc 16. 16. Tu peux lire le 19 et le 20, verset 19 et 20. 19 and 20. Gloire à Dieu. Marc chapitre 16, verset 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ils s'en allèrent prêcher où? They went to preach where? Ils s'en allèrent prêcher où? They went to preach where? Partout. Everywhere.
qui travaille avec eux. And le Seigneur. The Lord will be with them. Alléluia. Praise the Lord. Quand tu es prêt, when you are ready, allez prêcher partout. To go and preach everywhere. C'est-à-dire que tu as enterré la honte de Jésus. It means that you have buried shame. C'est le Seigneur même qui sort et travaille avec toi. It's the Lord himself who comes out and work with you. Il travaille avec eux. He was working with them. Et la Bible dit, and the Bible says, et il accomplissait les miracles. And they were performing wonders. Travaille avec eux. Working with them. Il sortait avec eux. He went out with them. Que la honte, let shame, de l'évangile, of the gospel, soit à jamais enterrée. Be buried forever. J'aimerais qu'on lise. I want us to read ce que le Seigneur dit. That which the Lord says. Marc 8, verset 38. Mark 8, verse 38. Marc, chapitre 8, le verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges, avec les saints anges. Amen. Mark 8, verse 38. If a person is ashamed of me and of my teaching in the godless and wicked day, then the Son of Man will be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with the angel. Amen. Tu ne peux pas avoir honte de lui et il sort avec toi. It is, you should not be ashamed with him and he will come out with you. Tu ne peux pas avoir honte de lui, honte de son évangile, et il sort avec toi. You cannot be ashamed of him and his gospel, and he comes out with you. La honte de l'évangile, the shame of the gospel, doit être enterrée pour toujours. Must be buried forever. Acte chapitre 21. Acte chapitre 21. Alléluia. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. It's the story of Apostle Paul. Son attitude. His attitude. J'aimerais qu'on lise les versets 27 et 28. I want us to read verse 27 and 28. Acte 21, versets 27 et 28. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Amen. Acte 21, reading from 27 to 28. But just when the 7 days were about to come to the hands, some Jews from Asia saw Paul in the temple. They threw up the whole crowd and grabbed Paul. Men of Israel, they shouted, Eb, the
This is the man who goes everywhere teaching everyone against the people of Israel, the law of Moses and his temple. And now he has even brought some Gentile into the temple and defiled his holy place. Amen. Relis le verset 28. Read verse 28 again. En criant, hommes israélites, au secours! Au secours! Help! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le peuple. Voici l'homme qui prêche. This is the man who preaches. Il prêche. Who preaches. And l'autre version dit à tout le monde. And other, in other verse, versions, they say to everybody. Paul était connu comme l'homme qui prêche et à tout le monde. Paul was known as a man who preaches everywhere and to everybody. Quand on devait l'identifier, who could have identified him? On dit, venez voir. They said, come and see. L'homme qui prêche. The man that preaches. L'homme qui prêche. The man that preaches. Et to everywhere and to everybody. Venez voir l'homme qui n'a pas honte de l'évangile. Come and see the man who is not ashamed of the gospel. Qu'est-ce qui t'empêche de prêcher partout et à tout le monde? C'est l'orgueil. What hinders man to preach everywhere and to everybody? It is pride. Oh, comment on va me regarder? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? What are je serai ridicule. Everybody will look at me. What are they going to say about me? I will be ridicule. Demande à ton voisin, si tu es ridicule à cause de Jésus, et puis quoi? If you are ridiculous because of Jesus, and what? Voici l'homme qui prêche partout. This is the man who preaches everywhere. Et grand, petit, gros, rich, small, big, thin. Partout. Everywhere. Et à tout le monde. And to everybody. On a lu tout à l'heure dans Marc 16, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. We have seen in Mark 16 that they went everywhere and the Lord was working with them. Et le Seigneur travaillait avec eux. And the Lord was working with them. Et si le Seigneur travaille avec toi? And if the Lord works with you. Nous comprenons pourquoi dans l'histoire qu'on a lu hier, quand Paul prêche à Lydie, qui a ouvert le cœur de Lydie? Qui a ouvert? Who opened the heart of Lydia? It is the Lord. L'ouvre le cœur. He opens the heart. Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Non, je bénis le Seigneur pour le zèle de mon traducteur. I bless the Lord for the zeal of my interpreter. Dis avec moi partout et à tout le monde, partout et à tout le monde. Say with me everywhere and to everybody, 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 everywhere and to everybody. Une évangélisation infructueuse. And unfruitful evangelization. C'est que tu es sorti seul. It means that you went out alone. Le Seigneur, the Lord, n'est pas sorti avec toi. Did not go out with you. Et il ne travaille pas à tes côtés. And he's not working near you. La honte de l'évangile doit être abandonnée. The shame of the gospel must be abandoned. Doit être haï. It must be hated. Regardé comme une horreur. Considered as a horror. An enemy.
Mes frères et mes sœurs, my brothers and sisters, j'ai eu à batailler contre cet esprit. I had to fight against that spirit. J'ai décidé d'aller prêcher dans les marchés. I decided to go and preach in marketplaces. Les sorties d'école, les carrefours. And the on the junction and the places where schools are. Le premier marché où je suis arrivé. The first market where I went, il y avait beaucoup de monde. There were a lot of people. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. I have a good news to give you. Les gens sont arrêtés. Regarde. People are standing there looking at me. Nous sommes tous des pécheurs. All of us are sinners. Et tout pécheur ira en enfer. And every sinner shall go to hell. Les hommes péchés. The sinners. Par le mensonge, le vol, l'adultère. No lie, no adultery. Ils iront tous en enfer. All of them will go to hell. Mais Dieu est saint. Mais Dieu est saint. God is holy. Mais il est aussi plein d'amour. He's also full of love. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Jesus died for your sins. Si quelqu'un accepte Jésus de tout son cœur, Dieu lui pardonne. If somebody accepts Jesus with all his heart, le jour où il meurt, il part directement au ciel. And the day he dies, he's straight for where it goes to heaven. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va accepter Jésus? Is there somebody here who wants to accept Jesus? Lève la main. Raise a hand. Frère, j'avais préparé de petits feuillets. I prepared some small leaves, some avec small mon papers, nom et mon numéro de téléphone. Small papers, my name and my phone number. Lève la main, je te donne mon adresse. Raise your hand, I will give you my address. Et j'entends. Donnez-moi. And I heard, moi aussi. Give me. Donnez-moi. Give me. Moi aussi. I too. Alléluia. Praise the Lord. Le même soir, les gens ont commencé à m'appeler. In the same night, people started calling me. Ça ne te prend pas 5 minutes. It doesn't take 5 minutes. Si ça ne te donne pas des convertis, ça te donne de bons contacts. If it does not give you converts, it gives you good contacts. Des gens avec qui tu peux t'asseoir et leur présenter clairement l'évangile. People with whom you can sit down and present to them the gospel clearly. Et leur faire comprendre l'évangile. And make them understand the gospel. Dans les bus. In buses. En 2009, c'est là où j'ai vu ça pour la première fois. J'ai pris un bus à Douala pour Yaoundé. Et puis quelqu'un entre. In 2009, it's my first time to see it. I took a bus from Douala to Yaoundé. Somebody got in. Il dit, je m'appelle tel. And he said that my name is such. Si vous regardez souvent la télévision, vous me connaissez. If you oftentimes watch TV, you know me. Et il s'est mis à présenter des produits, les produits de les médicaments. And he started to present medicines to people, some products, medical products. Qui a déjà vu ça? Who has seen this already? Demande à ton voisin, où sont les évangélistes? Ask your neighbor, where are evangelists? En 2 minutes. In 2 minutes. Quelqu'un va prendre ton adresse. Somebody is going to take your address. Quelqu'un va te dire, je veux recevoir Jésus. Somebody will tell you that he wants to receive Jesus. Dimanche passé, last Sunday, nous avons eu le témoignage d'une sœur. We had a testimony of a sister. Une musulmane. She's a Muslim. Qui a cru? Who believed? Nous avons organisé une campagne d'évangélisation. We organized an evangelistic campaign. On a un camion événementiel avec podium. On prêche de quartier en quartier. We have a truck
for these kind of events with some stage. Elle dit que quand elle passait, she said that when she was passing by, elle a entendu, she heard, quel que soit ton problème, whatever your problem, Jésus peut le résoudre. Jesus can solve it. Vous savez où elle était en train de partir? You know where she was going? Hein? Évidemment pas. Elle était en train d'aller se jeter dans le fleuve Niger. She was going to cast herself into the river. Elle était en train d'aller se suicider. She was going to commit suicide. Elle disait qu'elle passait, elle avait dit, parce que le lendemain, elle devait passer en jugement pour une affaire. On the next day, elle avait dit, je ne peux pas gagner ce procès, je ne peux pas accepter la honte qui va suivre. Mieux, je me suicide ce soir. On the next day, she was to go for a trial, and she knew that she could not win that trial, so she decided to commit suicide that evening. Elle a entendu. She heard. Quel que soit ton problème, what? Jésus peut le résoudre. No matter your trouble, Jesus will solve it. Frère, quelqu'un dirait que c'est pas un accident. Somebody could say that this elle s'est arrêtée, elle est venue. She stopped and came. Elle a donné sa vie au Seigneur. And she gave her life to the Lord. Mais ce n'était pas fini. But it was not over. Quand on a lancé l'appel, elle est venue. When we launched the call, she came. Mais elle avait une affaire au tribunal le lendemain. That she had a matter at the tribunal the next day. Elle a dit à Jésus. She told Jesus. Si je ne suis pas condamné. If I'm not condemned. Si je gagne ce procès. If I win that trial. Je vais te suivre toute ma vie. I will follow you all my life long. Frère, le lendemain, elle allait au tribunal. The next day, brethren, she went to the trial. Et elle a gagné le procès. And she won the trial. Elle est rentrée chez elle. She went back home. Elle a dit à tout le monde qu'elle est devenue chrétienne. She told everybody that she would like to become a Christian. Son mari lui a dit. Her husband told her, je n'ai pas épousé une chrétienne, prends tes affaires et pars. I didn't marry a Christian, take your languages and go. Frère, elle a fait sa valise. Brethren, she made a suitcase. Elle a fait ses affaires. She made all, she packed all pendant her languages. Qu'elle partait, le mari a dit, reste d'abord. While she was about to go, the husband said, remain a bit. Quand sa mère a appris qu'elle est devenue chrétienne, sa mère lui a dit, c'est fini, tu n'es plus ma fille. When her mother heard that she became a Christian, she said that it is over, you are no longer my daughter. Elle dit quelques jours après. She said that some days later, sa mère a eu un problème sérieux. Her mother had a serious trouble. Sa mère l'a appelée. She called her. Et lui a dit. And told her, je veux que tu m'aides à résoudre ce problème financier. I want you to help me to solve this financial problem. Elle a dit à sa mère, mais maman, tu as dit que je ne suis plus ta fille, non? And she told her mother, mom, you said that I'm no longer your daughter. Sa mère lui a dit, je ne vais jamais te renier, tu es ma fille. Her mother said that I can never deny you, you are my daughter. Dis alléluia. Say praise the Lord. Frère. Brethren, elle est dans l'église. She is in the church. Applaudissons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Partout et à tout le monde. Everywhere and to everybody. Oui, répète-le. Partout et à tout le monde. Partout et à tout le monde. Everywhere. Say everywhere. Partout et à tout le monde. Everywhere to everybody. Mes frères et mes sœurs, vous ne savez pas comment Dieu est en train de travailler dans les vies. Brethren, you don't know how God is working in their lives. On a eu un cas. We had a case. Les frères sont sortis évangéliser. The brethren went out to evangelize. Ils ont rencontré quelqu'un. They met somebody. Et ils lui ont dit. And they told him. Est-ce que vous avez 5 minutes, on veut vous parler de Jésus. Do you have 5 minutes for us? We want to speak to you about Jesus. Le monsieur leur dit. He said. J'étais musulman. I'm a Muslim. Mais j'étais justement en train de chercher une église. I was a Muslim, but I'm seeking a church. Hier soir, pendant que je dormais. Yesterday night, while I was sleeping. Jésus est venu vers moi. Jesus came to me. Et il m'a dit. And he told me. Que si je vais aller au ciel, je dois le suivre. That if I want to go to heaven, I should follow him. Partout et à tout le monde. Brethren, everywhere and to everybody. Partout et à tout le monde. Everywhere and to everybody. Partout et
everywhere to everybody. Et qui a été, Seigneur notre Dieu, enlacé par les liens de la honte. Merci de briser les chaînes. Merci de raviver cette tison. Seigneur, je proclame que je suis enflammé. Nous proclamons que nous sommes enflammés. Seigneur, merci de nous donner l'opportunité de revenir à nouveau dans la bataille. Gloire et honneur te reviennent pour ce que tu as accompli déjà dans nos vies. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh Seigneur, je comprends aujourd'hui pourquoi les cœurs n'étaient pas ouverts. Pourquoi le prix payé ne portait pas de fruits, Seigneur. Parce que nous avons trié les personnes à qui nous devons prêcher. Nous avons choisi les moments auxquels nous devions parler de toi. Les personnes à qui nous devons parler de toi, Seigneur. Et nous sommes devenus stériles. Nous avons semé, nous n'avons rien récolté, Seigneur. Aujourd'hui, mes yeux s'ouvrent. Le voile se déchire, Seigneur. Et je prie que tu pardonnes ma folie. Pardonne ma folie, Seigneur. Dès ce jour, je m'engage à parler partout. Et à tout le monde, Seigneur. Amen. Partout et à tout le monde. Amen. Partout et à tout le monde. Quel que soit ce qui va se passer. Quel que soit ce qui pourrait arriver. Quel que soit le lieu, l'endroit, Seigneur, c'est fini la folie. Je décide de te suivre. Je décide de te croire, Seigneur. Je décide de sortir avec toi, Seigneur, pour que les âmes soient gagnées. Amen. Amen. Saint, je confesse que c'est si facile et c'est si simple pour que le but, notre but soit atteint. Et je proclame que le but sera atteint. Amen. Notre but sera atteint. Amen. Notre but sera atteint. Amen. Seigneur, nous irons avec toi parce que tu nous as montré le secret pour être avec nous. Aller par tout le monde entier, prêcher l'évangile. Et je suis avec vous. Je suis avec vous. Et tu nous as dit que nous devons avoir une identité. L'identité de l'apôtre Paul. Prêcher partout et à tout le monde. Prêcher partout et à tout le monde. Seigneur, nous irons. Prêcher partout et à tout le monde. Prêcher partout et à tout le monde. Et tous entendront l'évangile. Amen. L'évangile vrai. L'évangile Amen. Authentique. Amen. L'évangile qui sauve. L'évangile qui fraye le chemin dans le cœur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour la parole libérée. J'ai compris juste que, Seigneur, notre but sera accompli. Mais j'ai compris aussi que, Seigneur, tu veux que, Seigneur, nous soyons délivrés. La honte des hésitations. Père, je suis délivré. Je suis délivré, Seigneur. Je proclame que je suis délivré. La honte des hommes. Père, je pars. Vous prêchez l'évangile à tout le monde. Et partout, Seigneur. Dans les cabarets, même chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les cars, les bus, partout dans les collèges. À tout le monde, Seigneur, et partout, Seigneur, parce que tu m'as délivré de la honte, tu m'as délivré de la paresse, tu m'as délivré du sommeil, tu m'as délivré de l'hésitation. Seigneur, j'ai retrouvé le zèle de l'évangile, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Dès demain, dans le car, jusqu'à Kourougou, je vais prêcher jusqu'à ce que des gens disent, donne-moi.
donne-moi ton numéro. Je le ferai, Seigneur. Je le ferai, Seigneur. Et tu auras les résultats. Au nom de Christ. Amen. Père, merci de me délivrer ce matin de la honte. Dès qu'en dira-t-on, merci Seigneur pour ta parole qui vient ce matin me délivrer. Et je proclame que je suis délivré et j'irai prêcher partout et à tout le monde. J'irai Seigneur prêcher partout et à tout le monde. Seigneur, je vais obéir parce que celui qui a pendant l'orgueil, le moi, la honte, Seigneur, tu travailles avec lui. Et Seigneur, je vais partir. Oh, je vais partir prêcher et tu seras avec moi. Je te rends toute la gloire. Merci pour cette délivrance. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je comprenais juste que les prisons de la honte étaient en train de se briser. Les prisons de l'orgueil étaient en train de se briser. Et c'est vraiment brisé, Seigneur. Oh, Père éternel, je suis plus qu'enflammé. Seigneur, dans ma tête, je triais. Et tu me disais, quand tu vas à la boutique des Mauritaniens, ils comprennent, tu peux payer leur riz. Mais quand il s'agit de prêcher l'évangile, tu te détournes. Mais quand il s'agit de leur donner l'argent, vous comprenez. Je vais prêcher l'évangile partout et à tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, tu m'as donné tous les instruments qu'il faut pour prêcher l'évangile. J'ai eu le mégaphone. Je sortais pour prêcher. J'ai acheté un poste, oh Dieu, pour me balader. Choisir des coins pour prêcher. Tout ça, la Père éternel. J'ai été infidèle. Et j'entends la plupart, oh Père, encore ceux qui vendent des médicaments dans les cars. Oh Dieu, vends les médicaments. J'ai regardé sans rien dire, mais j'enterre cela à partir d'aujourd'hui. Et je reprends, oh Père, à partir de ce soir, quittant là, mon boka que je vais prendre, je vais prêcher l'évangile, je vais reprendre tous les lieux que j'ai abandonnés, les gens m'écoutaient, j'ai abandonné, je reprends tout au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas moi qui sauve, c'est toi qui sauves. Éternel, je sais que je t'ai laissé et je suis parti seul, mais je te reprends parce que je suis disposé à le faire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette grande révélation qui ouvre mes yeux et qui fait tomber les écailles. Seigneur, jusqu'à ce jour, Père, j'accepte cet évangile, le fait d'aller prêcher partout et dans tout le monde, de ne pas trier les gens, de pénétrer dans tous les endroits. Seigneur, j'accepte cet évangile et je proclame que je serai dans le cavalier, j'irai là où il y a les masques, là où il y a les féticheurs. Je rentrerai avec toi et je proclame que j'ai la victoire parce que j'ai reçu la puissance qui vient de toi ce jour. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Il y avait un frère en Allemagne. There was a brother in Germany. Il était diplomate. He was a diplomat. Croyant. A believer. Il avait un ami diplomate, un Allemand qui était... He had a friend who was also a diplomat in Germany. Et un jour, and one day, son père a reçu Jésus au pays. His father received Jesus in their country. Et il est venu en Allemagne lui rendre visite. And he came to Germany to pay visit to them. Alors quand son père est arrivé, il dit, papa, je vais aller te présenter à mon ami allemand. And when his father got there, he told his father, I'm going to introduce you or present you to my friend. Cet diplomate. And they went into the office of that German diplomat. Et le papa l'a salué. And the father greeted him, shook hands with him. Directement. Straight away. Il lui dit, mon fils. He said, my son. Est-ce que tu sais? Do you know que si tu meurs sans Jésus, tu iras en enfer? That if you die without Jesus, we'll go to hell. Immédiatement, l'Allemand a rougi. Immediately, the man became angry. Et son fils était, il voulait entrer, ouvrir la terre et entrer. And his son, it was as if he wants to get down. Il m'a même dit d'amener papa ici. Il a même dit d'amener papa ici.
il vient gâter mes relations. Who even told me to bring daddy here? He has come to destroy my relations. Pendant qu'il rentrait, while he was going back, il ne voulait pas parler à son père. He didn't want to speak with his father. Mais son père regardait ailleurs. But his father was looking elsewhere. Comme quelqu'un qui disait mission accomplie. Like somebody who said that my mission is accomplished. Praise the Lord. Le papa est rentré. The father went back. Il est tombé malade, il est mort. He fell sick and died. Et ce frère allait annoncer à son ami allemand le décès. And that brother went to to announce the death of his father to his friend. Je suis venu te dire que mon père, on vient de m'annoncer que mon père est décédé. He told him that I came to tell you that I've just received the news that my father is dead. L'allemand s'est levé. The German man got up et s'est mis à pleurer and started crying loudly. Et ce frère était surpris. And that brother was surprised. Oui. That man was surprised. Et, oui, le fils était surpris. The son was surprised. Et l'allemand lui dit, and the German man told him, ton père, your father, a été la seule personne sur cette terre, had been the only person on this earth, qui a osé me confronter par rapport à mon avenir dans l'éternité. Who dared confronted me regarding my future in eternity. Frère, brethren, en une phrase, in one sentence, dis avec moi, en une phrase, say with me in one friend sentence, la bombarder. He bombarded. Tu n'as pas besoin d'une journée. You don't need a day. Une seule phrase. Only one sentence. Tu places ton missile évangélique. You set your evangelistic missile. Dans un taxi, dans un bus. In a taxi, in a bus. Quelqu'un est en train de prêcher. Somebody was preaching. Il commence. He starts. Vous tous qui êtes dans ce bus. All of you who are in this bus. Oh, que la vie est brève. Que la vie est brève. Oh, life is so short. Life is so short. Frère, quand tu commences, que la vie est brève. Est-ce que les gens vont se taire? When you start saying that life is short, are people going to... Les gens veulent savoir pourquoi est-ce qu'il dit que la vie... People would like to know why he says that life is short. Si quelqu'un meurt sans Jésus, if somebody dies without Jesus, il passera l'éternité en enfer. He will spend eternity in hell. Je peux t'aider à connaître Jésus. I can help you know Jesus. Je peux t'aider. I can help you. À lui donner ta vie. To give him your life. Voici mon numéro de téléphone. Here is my telephone number. 690-22-32-42. Appelle-moi, je vais t'aider. Call me, I'll help you. Frère, tu t'assois. Brethren, you sit down. Je t'assure qu'il y a des gens qui vont t'appeler. I tell you the truth. There are people who will call you. Des gens avec qui tu pourras t'asseoir. People with whom you'll be able to sit down. Et leur expliquer l'évangile. And explain the gospel to them. Tu pourrais ne pas avoir tout le temps dans un taxi pour présenter tout l'évangile. You may not have all the time in a taxi to present the gospel. Mais tu peux semer. But you can sow. Mais tu seras aussi surpris. But you'll also be surprised. De constater qu'il y a des gens que le Seigneur a déjà préparés. To realize that there are people that the Lord had already prepared. Qui attendaient juste qu'il y ait quelqu'un qui les appelle. Who are just waiting that somebody calls them. Tu peux entrer dans un bus ou dans un taxi. Il n'est pas interdit. On interdit de parler dans les taxis ici.
You can get on a bus or in a taxi. It is not forbidden to speak. Jésus sauve, délivre, guérit. Jesus saves, delivers, and heals. Je peux t'aider. I can help you. À connaître Jésus. To know Jesus. Et être délivré ou être guéri. And be delivered, be healed. Frère, tu as prêché. Brethren, you have preached. Tu as parlé. You have spoken. Nous avons une arme et des armes. We have arms, some weapons. Les traités d'évangélisation. The evangelistic tracts. Bien écrits. Well written. Le message complet de l'évangile. The complete message of the gospel. Un évangéliste qui marche sans traité. An evangelist who walks without tracts. C'est très grave. It's very serious. Utilisons toutes les armes qui sont à notre disposition. Let us use all the weapons which are at our disposals. Alléluia. Praise the Lord. Mes frères et mes sœurs, my brothers and sisters, nous pouvons gagner le monde plus vite que nous ne l'imaginons. We can win the world quicker than we imagine. Abidjan peut être gagné plus vite que vous ne l'imaginez. Abidjan can be won even more quickly than you can imagine. Mais nous devons nous lever. But we must rise une armée puissante. As a mighty army. Des hommes et des femmes. Men and women. Qui prêchent. Who preach. Qui prêchent. Who preach. Partout. Everywhere. Et à tout le monde. And to everybody. Il y aura une avalanche de conversions. There will be a great number of conversions. Amen. 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 Gloire à Jésus. Glory to God. Le jour de la Pentecôte. On the day of Pentecost. L'apôtre Pierre s'est levé. Apostle Peter got up. Et il a prêché. And preached. La Bible dit que 3000 personnes ont cru. The Bible says that 3000 people believed. Les 3000. The 3000. Ont été baptisés. Were baptized. Les 3000. The 3000 sont devenus des disciples. Became disciples. Parce que la Bible dit, et le nombre de disciples. Because the Bible says that the number. Augmenta d'environ 3000 âmes. The number of disciples increased of about 3000 souls. Ce n'était pas en une semaine. It was not in one week. Dis avec moi le même jour, le même jour. Say with me, the same day, the same day, the same day. Frères, les gens vont croire. Brethren, people will believe. Les gens vont s'engager. People will commit themselves. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Quand ils ont cru. When they believed. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Nous allons lire à partir du verset 41. We'll read from verse 41. Acte chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise Apocalypse 3, verset 10. I want us to read Revelation 3, verse 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10.
parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Nous avons vu hier qu'il y a une catégorie de personnes que le Seigneur garde. We saw it yesterday that there's a category of people. Et nous avons dit que le Seigneur garde qui? That the Lord keeps. Dis-le plus fort. And we said that the Lord keeps whom? The faithful ones. Mais dans ce verset, la Bible nous apprend qu'il y a une autre catégorie de gens que le Seigneur garde. But in this verse, the Bible tells us that there's another category. Est-ce que tu peux relire Apocalypse 3:10? Lisons attentivement. Let me read it again. Let us read attentively. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le Seigneur garde qui? The Lord keeps whom? Ceux qui ont gardé. C'est those pas, who kept pas sa parole. La Bible dit la parole de la persévérance. The word of perseverance. Quelle est cette parole de la persévérance? What is that word of qui est telle que quand tu la gardes, which is such that when you keep it, le Seigneur te garde. The Lord also keeps you. Rentrons dans Acte au chapitre 2. Let us go back to Acte chapter 2. Relis le verset 42. Read verse 42. Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a une parole appelée la parole de la persévérance. There's a word that is called the word of perseverance. En quatre articulations. In four articulations. Premièrement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. First of all, they persevered in the teaching of the apostles. Deuxièmement, ils persévéraient dans quoi? Secondly, they held on to la communion fraternelle. In brotherly fellowship. Troisièmement, ils persévéraient dans quoi? Thirdly, they persevered in what? Hein? La fraction du pain. The breaking of the bread. Et quatrièmement? And fourthly, ils persévéraient. C'est pas dans la prière, c'est dans les prières. In prayers. Il y a une parole appelée la parole de la persévérance. There's a word that is called the word of perseverance. Telle que quand tu la gardes, which is such that when you keep it, le Seigneur va, the Lord will, il va, he will, il va te garder, keep you. Nous allons voir les quatre articulations. We are going to look in the four articulations. J'appelle cela le suivi selon les apôtres. I call this the follow-up according to the apostles. Voilà comment ils ont encadré leur nouveau converti. This is how they took care of the new converts. Il y avait quatre domaines dans lesquels ils les ont entraînés. There were three domains in which they led them. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. First of all, they persevered in the teaching of the apostles. Qu'est-ce que cela signifie? What does it mean? C'est quoi l'enseignement des apôtres? What is the teaching of the apostles? La Bible ne dit pas qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. The Bible doesn't say that they persevered in the teaching. La Bible dit qu'ils persévéraient dans of the apostles. L'enseignement des apôtres. The Bible says that they persevered in the teaching. Un enseignement. The apostles had a teaching. Qu'on appelait. That was called. Qu'on appelait. That was called. L'enseignement. The,
des apôtres. The teaching of the apostles. Quel était cet enseignement des apôtres? What was that teaching of the apostles? Nous lisons dans 2 Pierre au chapitre 3 verset 2. Let us read in 2 Peter chapter 3 verse 2. De Pierre, chapitre 3, le verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ah, encore. Again. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Lise en anglais. Read in English. Acts chapter 3, reading from verse 2. I want you to remember the word that was spoken long ago by the holy prophets and the command from the Lord and Savior which was given you by your prophets. Amen. Qu'est-ce qui est enseigné par les apôtres? What was taught by the apostles? Qu'est-ce qui est enseigné par les apôtres? What was taught by the apostles? Relis en français. Read it in French. Read it in French again. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Qu'est-ce qui est enseigné par les apôtres? What was taught by the apostles? Le commandement du Seigneur. The commandments of the Lord. Il y avait un enseignement qu'on appelait l'enseignement des apôtres. There was a teaching that was called the apostles. Et cet enseignement, c'était quoi? And that teaching was what? Ils enseignaient le commandement du Seigneur. He was teaching, they were teaching the commandment of the Lord. C'est quoi le commandement? Ce commandement du Seigneur. What is that commandment que les apôtres enseignaient? That commandment of the Lord that the apostle taught. Jean chapitre 13. John chapter 13. Verset 34. Verse 34. Jean, chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. I give you a new commandment. Aimez-vous les uns les autres. Love one another. Comme as je vous ai, I have loved you. C'est un commandement nouveau. There's a new commandment. C'est un commandement nouveau. Ça veut dire qu'il y a un commandement ancien. If there is a new commandment, it means that there was an old commandment. C'était quoi le commandement ancien? What was the old commandment? Nous lisons dans Galates au chapitre 5, le verset 14. Let us read in Galatians 5, verse 14. Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Encore. Again. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. For all the law is accomplished in only one word. Dans celle-ci. In which, in this one. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. You shall love your neighbor as yourself. Amen. Alléluia. Yeah. Toute la loi, toute la loi. All the law. En une seule parole. In one word. Le condensé de toute la loi, on dirait de tout l'Ancien Testament. Aime ton prochain comme. Love your neighbor as. Comme. As. Toi-même. Yourself. Mais le commandement nouveau. But a new commandment. Qu'on appelle le commandement du Seigneur. That is called the commandment of the Lord. Qu'est-ce qu'il dit?
What does it say? Comme je vous ai aimé. As I love you. Aimez-vous les uns les autres. Love one another. Le commandement ancien. The old de l'Ancien Testament. In de the la old, loi. In the law, in the old Testament. Aime ton prochain. Love your neighbor as yourself. Mais le commandement nouveau. But a new commandment. Que les apôtres enseignaient. That the apostles taught. Que les nouveaux convertis devaient apprendre. That the new converts were to learn. Et dans lequel ils devaient persévérer. And in which they were to persevere. Qu'est-ce qu'il dit? What does he say? Comme le Seigneur t'a aimé. As the Lord loved you. Tu dois aimer ton prochain. You should love your neighbor. Comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? How did the Lord love us? Comment nous a-t-il aimés? How did he love us? Je dois aimer mon frère. I should love my brother. Comme. As. De la même manière. The same way. Que Jésus m'a aimé. Jesus loved me. Romains chapitre 5. Romans chapter 5. Le verset 8. Verse 8. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. But God demonstrated his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? How did the Lord love us? Nous étions encore des pécheurs. We were still sinners. Il a donné sa vie. And he gave his life. Aucun de nous ne s'était repenti. None of us. Personne ne lui avait demandé pardon. None of us had repented. No one has asked him to forgive. Il a donné sa vie. And he gave his life. Voilà ce que veut dire aimer comme le Seigneur. This is what it means, loving as the Lord loved us. Le commandement ancien. The old commandment. Aime. Love. Ton prochain comme. Your neighbor ton. As yourself. Le commandement nouveau. The new commandment. Aime ton prochain. Love your neighbor. Comme. Le Seigneur t'a aimé. As the Lord. Comment est-ce qu'il nous a aimé? How did he love us? Pendant que nous étions encore perdus. While we were still lost. Il a pris l'initiative de notre salut. He took the initiative. Pendant que nous étions encore des ennemis de Dieu. While we were still enemies of God. Ennemis. Enemies. Par nos pensées, nos paroles et nos actes. Through our thoughts, our words and our actions. Personne ne lui avait demandé pardon. No one had asked him to forgive him. Personne ne s'était repenti. No one had repented. Il a pris l'initiative. He took the initiative. De nous bénir. To bless us. De nous sauver. To save us. De nous délivrer. To deliver us. Nous lisons verset 5 de Romains 8. We read verse 5 non, of Romans 5, verset 5. Romans 5, verse 5. Yes. Romans 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Now, hope does not disappoint. Parce que. Because. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. The love of God is poured in our hearts. Par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. Qui nous a été donné. Who was given to us. Alléluia. Praise the Lord. Qu'est-ce qui est répandu dans nos cœurs? What is poured in our heart? Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? What was poured in our heart? L'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. Say with me the love of God. Il y a quatre occurrences de l'amour dans le Nouveau Testament. There are four occurrences of love in the New Testament. Il y a l'amour philéo. There is philéo love. C'est de là que vient le mot filial, c'est-à-dire l'amour entre les membres d'une même famille. This is the love between the members of the same family. Il y a l'amour eros.
There is eros love. C'est l'amour qui a trait à la sexualité. C'est de là que vient le mot érotique. This is the love that is related to sexuality, and it is from these words that the word erotic comes. Il y a l'amour agape. There is the love, the agape love. C'est un amour profond. It is a deep love. C'est un amour qui n'est ni filial ni érotique. It's c'est l'amour qu'on trouve entre deux vrais amis. It's the love that you can find among two genuine. La Bible dit de Jonathan qu'il aimait David comme son âme. The Bible speaks about Jonathan as that he loved David as his soul. T'es pas de la même famille. They were not from the same family. Un amour profond. A deep love. N'avait rien à voir avec la sexualité. Which has nothing to do with, had nothing to do with sexuality. C'est un amour agapé. It was an agape love. Et le quatrième type d'amour. And the fourth kind of love. C'est l'amour de Dieu. It's the love of God. L'amour de Dieu. The love of God. La façon de Dieu d'aimer. The way that God loves. Romains 5, verset 5 nous dit que cet amour-là, il n'est pas humain. Il est produit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romans 5, verse 5 says that love is not human. It is produced in our heart by the Holy Spirit. Un être humain normal est incapable d'un tel amour. A normal human being is unable to love. Pendant qu'on le crucifiait sur la croix, while he was being crucified on the cross, nu, no one, lui le créateur de toutes choses, he the creator of everything, tout ce qui pouvait sortir de lui, all that could come out of him, Père, Father, forgive them, ils ne savent pas ce qu'ils they don't know that which they are doing, il n'avait commis aucun péché, he committed no sin. Avec la couronne d'épines. With the crown of thorns. Les clous dans les mains, dans les pieds. Nails in the hands and in the feet. Saignant de partout. Bleeding everywhere. Ça, c'est quel genre d'amour, ça? Which kind of love is this? C'est quel genre d'amour? Which kind of love is this? C'est quel genre d'amour? L'amour de Dieu. The love of God. Et Jésus dit, and Jesus says, comme je vous ai aimé, as I loved you, aimez-vous les uns les autres. Love one another. C'est-à-dire, that is, aimez-vous de l'amour de Dieu. Love one another of the love of God. Si tu as une orange, if you have an orange, et on presse l'orange, and we press it. Qu'est-ce qui va sortir? What is going to come out? Le jus. The juice. Ce jus était où? Where was that juice? Il était juice. Où? Where was it? Dans l'orange. In the orange. Si on te presse. If they press you. On te presse. If they press you. Par la haine. Through hatred, par la méchanceté, through wickedness, par l'injustice, by injustice, tel que Jésus était pressé, as Jesus was pressed, qu'est-ce qui va sortir? What is going to come out of you? Et si quelque chose sort, c'était où? And if something comes c'était out, où? Where was it? À l'intérieur, inside. Je voudrais te demander, qu'est-ce qu'il y a en toi? I would like to ask you, what is inside you? Au moment où il devait maudire le monde. At the moment he was to curse the world. Il avait guéri leurs malades. He healed the sick. He had healed the sick. Il les avait délivrés des démons. He delivered them from demons. Il les avait nourris. He nourished them. Il avait purifié leurs lépreux. And he purified the lepers. Il a ressuscité leurs morts. He raised the dead. Ils l'ont pris. They took him. Ils l'ont cloué à la croix. And they put him on the cross. Et qu'est-ce qu'il sort? And what comes out? Father! Pardonne-le. Forgive them. Et il prend leur défense. And he takes their defense. Ce sont des petits fous. They are fool men. Ne regarde pas ce qu'ils font. They are fool. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. They are foolish. They don't know what they are doing. Père, ne regarde pas ça.
Father, forgive them. Mais toi, but you, le moindre coup, the least blow, c'est les insultes qui sortent. It is insults that comes out. C'est la haine, hatred, méchanceté, wickedness. Les rancœurs, remplis de rancœur, full of grudge, de colère, and de réclamation, anger. Dans la même église, in the same church, deux frères qui ne se parlent pas, two brethren do not speak to one another, deux sœurs, two sisters. Quand une entre comme ça, l'autre regarde. When one comes out, comes like this, the other looks elsewhere. Incapable de pardonner, unable to forgive. Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu en toi? Is there the love of God inside you? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. They persevered in the teaching of the apostles. La première chose dans laquelle les nouveaux convertis persévéraient, the first thing in which the new converts persevered, is les apôtres leur enseignaient le commandement nouveau. The apostles taught them the new commandment. C'est-à-dire, that is l'amour de Dieu. The love of God. Ce n'était pas la deuxième chose. It was not the second thing. C'était la première chose. It was the first thing. On ne leur enseigne pas la prière. They were not teaching them prayer. On ne leur enseigne pas à jeûner. They were not teaching them to fast. Les apôtres enseignaient. The apostles taught. Le commandement du Seigneur. The commandment of the Lord. C'est-à-dire. That is. L'amour de Dieu. The love of God. Voilà la première chose dans laquelle le nouveau converti doit persévérer. This is the first thing in voilà which la première chose qui doit lui être enseignée. This is the first thing in which the new convert must persevere, or the first thing that should be taught to him. Nous lisons dans Romains au chapitre 8. Let us read in Romans chapter 8. Est-ce que tu es là? Are you there? Romains chapitre 8. Romans chapter 8. La première chose, ce n'était pas la louange. The first thing was not praise. Bien qu'on doive louer. Though we have to praise God. C'était l'amour de Dieu qu'ils enseignaient. It was the love of God. Romains chapitre 8. Romans chapter 8. Alléluia. Praise the Lord. J'aimerais qu'on lise. I want us to read. Verset 35. Verse 35. Okay. Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Who shall separate us from the love of Christ? Sera-ce la tribulation? Will it be tribulation? Ou l'angoisse? Or anguish? Ou la persécution, or persecution, ou la faim, or hunger, ou la nudité, or nakedness, ou le péril, or peril, ou l'épée, or sword. Amen. Amen. Qui nous sépare de l'amour de Dieu? Who shall separate us from the love of God? Continue au verset 38. Continue up to verse 38. Selon qu'il est écrit. Verset 38. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, for I am persuaded that nor death, ni la vie, nor life, ni les anges, nor angels, ni les dominations, nor principalities, ni les choses présentes, nor present things, ni les choses à venir, nor the things to come, ni les puissances, nor powers, ni la hauteur,
nor height, ni la profondeur, nor depth, ni aucune autre créature, nor any other created thing, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, shall be able to separate us from the love of God, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, which is in Jesus Christ our Lord. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nothing can separate us from the... Il y a une chose dont on ne peut séparer un enfant de Dieu. There's nothing that can separate a child of God from the love of God. Ni les anges, ni l'enfer, ni les démons. No angels, no hell, no demons. Rien. Et comment s'appelle cette chose? And how do you call that? Comment elle s'appelle? What is it called? The love of God. Les apôtres le savaient. The apostles knew that. Il y a une chose dont on ne peut pas séparer un enfant de Dieu. There's something that no one can separate a child of God from. Voilà pourquoi c'était la première chose qu'ils enseignaient. That's why it was the first thing that they taught. Le commandement du Seigneur. The commandment of the Lord. Ils n'ont pas confié ça au diacre. They did not entrust it to the deacons. La Bible l'appelle l'enseignement des apôtres. The Bible calls it the teaching of the apostles. Il était connu qu'il y avait un enseignement. It was known that there was a teaching qui était donné par les apôtres. That was given by the apostles. Et on l'appelait. And it was called. On l'appelait. It was called l'enseignement des. The teaching of the apostles. Malheureusement, on a des apôtres aujourd'hui qui n'enseigne pas l'enseignement des apôtres. Unfortunately, we have some apostles today who do not teach. Pas l'amour de Dieu. Who do not teach the teaching of the apostles. That is, they don't teach the le love of God. Le commandement du Seigneur. The commandment of the Lord. Voilà le premier besoin d'un nouveau converti. This is the first need of the new convert. Qu'il soit enseigné. That should be taught. Mettre en lui. That should put it in. Cela dont personne ne peut le séparer. That thing, no one can separate it. Him from it. Quelle est la mesure d'amour de Dieu? What is the measure of the love of God? Qu'il y a en toi. That is in you. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. You cannot give that which you don't possess. Tu ne peux pas mettre dans le nouveau converti ce que tu n'as pas. You cannot put into the new convert that which you don't possess. Un cœur rempli de rancune. A heart full of grudge. Rempli d'amertume. Full of bitterness. Rempli de colère. Full of anger. Rempli de ressentiment. Full of resentment. Rempli de jalousie. Full of jealousy. Rempli, rempli, rempli. Full, full, full. Tu n'as rien à donner à un nouveau converti. You have nothing to give to a new convert. La première chose que tu devais lui enseigner. The first thing that you were to teach him. Tu ne l'as pas. You don't have it. Qu'est-ce qui va le garder? What is going to keep him? J'aimerais que deux personnes prient. I want two people to pray. Deux ou trois. Two or three people to pray. Seigneur éternel, je te rends grâce pour cette vérité. On ne donne que ce qu'on a, ô Dieu. On ne donne que ce qu'on a, Seigneur. Je ne peux pas donner un nouveau converti ce que je n'ai pas. Et je te rends grâce parce que, ô Seigneur, quand j'étais encore vivante en toi, dans mes débuts, tu me l'avais enseigné. Mais Seigneur, au fil des années, j'ai perdu la notion, ô Dieu. Et ce jour, tu me ramènes, Seigneur,
à cet enseignement dont un nouveau converti a besoin. Oh Seigneur Jésus, je prends l'engagement, oh Dieu, de donner, Seigneur, à un nouveau né dans le Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ton premier besoin en tant que nouveau né, Seigneur. Et je prends l'engagement de lui offrir tout l'amour de Dieu que j'ai en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Infiniment merci à toi, Seigneur, pour ces vérités, Seigneur notre Dieu, qui répondent à nos besoins. Je méditais, je me demandais, Seigneur, comment les apôtres ont fait pour contenir ces 3000 convertis en un jour et devenus 5000 plus tard. Et quand je comparais cela à la difficulté que j'avais à suivre ne serait-ce qu'une seule personne, je n'avais vraiment pas la réponse. Mais je comprends aujourd'hui que c'est l'enseignement des apôtres qui gardait les âmes. Et je comprends que ce qu'ils enseignaient, c'est le commandement du Seigneur. Et je comprends que ce commandement du Seigneur, c'est l'amour de Dieu. Seigneur, merci de nous donner, Seigneur, les outils pour le suivi des âmes, de ces nombreuses âmes que tu vas nous donner, Seigneur notre Dieu. Merci parce que, Père, tu nous prépares assurément à contenir la croissance que, Seigneur, tu es en train d'apporter. Je te rends grâce au Dieu vivant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci. Seigneur, nous disons des chrétiens, enfants de Dieu, oh Père, mais dans la même assemblée, nous sommes rancuniers, oh Père. Nous ne nous pardonnons pas, oh Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci. Parce que ce matin, oh Père, tu nous ramènes à toi. Tu nous ramènes à toi. Nous ne pouvons pas être rancuniers et sortir gagner des âmes. C'est impossible, oh Seigneur. Seigneur, merci, merci. Parce que ce matin, tu nous ramènes. Tu nous dis de manifester l'amour de Dieu. Notre Christ était sur la croix, oh Père. On se moquait de lui. Mais Seigneur, il a accepté. Il a dit, pardon, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Seigneur, nous sommes incapables de pardonner. Nous sommes incapables de pardonner. Et nous disons des chrétiens. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, pour ma part, j'ai compris. Et Seigneur, je sais et je crois. Oh Seigneur, que chaque frère ici présent, ceux qui nous suivent en ligne, ont compris. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur. Si nous n'avançons pas, oh Seigneur, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Parce que nous ne manifestons pas l'amour de Dieu. Parce que nous ne manifestons pas, Seigneur, ce commandement nouveau que tu nous as donné. Oh Seigneur, pardonne. Efface tout ce qui t'avait décidé contre nous, Seigneur. Toutes conséquences, tout blocage, Seigneur, dans nos vies. Et bénis-nous. De telle sorte que lorsque nous allons sortir d'ici, Seigneur, nous soyons effectivement enflammés et que nous soyons recommandables, oh Seigneur, devant chaque âme que tu vas nous donner, afin que nous atteignions les 100 000 membres que nos leaders nous demandent, Seigneur. Pour que, effectivement, dans les années à venir, dans les années proches, nous adorons effectivement 100 000 membres ici à Abidjan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Je suis heureux parce que personnellement, tu me fais du bien. Seigneur, tu me fais comprendre qu'on ne peut pas te servir dans l'ignorance. Seigneur, on ne peut pas tricher dans ton service. Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oh Seigneur, c'est avec l'amour et l'amour qui vient de toi qu'on peut garder les âmes. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur notre Dieu, que tu m'inscris à cette école, oh notre Dieu, de ton amour. L'amour qui vient de toi. L'amour qui vient de toi. L'amour qui vient de toi.
l'amour qui supporte la pression, l'amour qui supporte les humiliations, l'amour qui supporte le rejet, le mépris. Ô Éternel notre Dieu, l'amour, Seigneur, ô notre Dieu, qui supporte toutes choses, Seigneur, et qui reste le même, Seigneur notre Dieu, pour faire ta volonté. Seigneur Éternel notre Dieu, inscris-moi à cette école et fais-moi grandir, Éternel notre Dieu. Fais-moi grandir, Éternel notre Dieu, ô Père, pour que je puisse dire comme le Seigneur Jésus, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec les épines de la couronne sur ma tête, avec les clous dans les mains et dans les pieds, ô Seigneur notre Dieu, ensanglanté Seigneur, que je puisse dire comme le Seigneur, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font, afin que les âmes demeurent. S'il te plaît, fais-le pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.